Je vous amène aujourd'hui à la découverte de Saillon, une petite ville dans le Valais suisse, donc juste à côté de la Vallée d'Aoste. Suivez-moi. Ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue chez nous. On fait comme ça. Contente de te revoir. Moi aussi, si tu savais. Bien seulement. Ici. Wow. On fait la gymnastique aujourd'hui. Vous êtes plus jeune, hein, vous pouvez faire de la gymnastique, moi aussi. Oui, mais de quoi? De 2-3 années, c'est tout. Ce marbre, c'est bien solide. Oui, c'est un marbre qui est très solide, mais qui a aussi beaucoup de réputation. Alors, on est assis ici devant cette maison qui a été la marbrerie qui a été construite en 1880. Lors de l'arrivée des grands capitaux. Des grands capitaux parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un trésor exploité. Qui a été le premier à découvrir cette richesse, disons, on va dire? Parce que c'était quand même, disons, un endroit qui l'a amené à du point de vue économique et de succès beaucoup. Mais d'où est-ce que ça vient? Alors, historiquement, à la base, c'est l'histoire du cipolet grec. Cipolin, ça vient du terme italien cipolla, c'est-à-dire lorsqu'on le coupe, ce marbre, il laisse des veines qui ressemblent à l'intérieur d'un oignon. Ah, ok, hein? Ça c'est clair. Ça c'est le terme qui est venu de l'italien. Donc c'est ce qui a fait la gloire des carrières du marbre de Saillon. Alors, la découverte c'est en 1832, mais l'exploitation sur un plan artisanal. D'accord. Le succès et la chance du marbre cipolin de Saillon, ça a été aussi le fait que le casino a été formé à un moment donné et ça a mis à disposition des capitaux. Mais pourquoi les casinos ont été fermés? Alors, c'était par excès de puritanisme sur le plan suisse, un peu général, avec justement cette forme de politique de la nouvelle pensée qui arrivait après la Révolution française. Alors, c'est capitaux disponibles ont été investis dans cette carrière de Saillon. Le marbre cipolet a été reconnu par le constructeur de l'Opéra de Paris, Charles Garnier, comme un cipolet antique retrouvé. François, aujourd'hui, c'est toi qui nous conduis, mais vraiment au sens vrai que tu nous conduis en voiture à la découverte des caves de marbre de Saillon. Finalement, si j'ai bien compris, c'est tout un groupe de bénévoles qui fait ça, ce qui fait la différence, parce que je ressens vraiment une grande passion. Et de ton point de vue, François, ça vient d'où? Alors moi, mon point de vue vient effectivement de mon papa. Ok. Mon papa, Henri, l'a bien connu, il est décédé il y a 6 mois en arrière. Ah. Et lui, c'était un passionné aussi du marbre. Okay. Il est de 1923, il a connu toute l'époque du marbre. Donc, une grande partie... Presque centenaire, on va dire. Presque centenaire, 96 ans. Wow. Alors Henri, une petite montée, hein, je vois que oui, ça va. Ça va, c'est parfait. Et on arrive où là maintenant? Alors ici, on a cet emplacement, c'est l'emplacement de l'exploitation intermédiaire. Okay. Parce que ça a été trouvé par des mineurs du canton de Vaud, le marbre. Et puis, ils ont fait des sondages, une partie à peu près à, je dirais, 650 mètres d'altitude. Okay. Mais les premiers marbres étaient seulement du blanc
et du gris. Donc ils n'imaginaient pas qu'il y avait le cipolin. Voilà. Et, mais avec ce marbre-là, bien, c'est un marbre courant. Oui, on peut aller le chercher à peu près partout. Hein. Par contre, après, ils ont exploité la partie intermédiaire ici, mais toujours sur un plan artisanal, et puis un peu par la suite, commencer avec l'industrie. Puis la troisième série, c'est en haut, avec l'arrivée de la technique, du funiculaire. Ouais. Et puis ensuite, en 1895, dans la carrière du haut, a été installé le premier sillage au fil hélicoïdal. Ah, voilà. Ce qui a permis de produire, pour les cathédrales en France, des blocs monolithes. Hein. D'accord. Finalement, on est au cœur de la cave de marbre de Saillon. Oui. Alors, une cave, du point de vue géologique, s'il fallait expliquer, on va dire, la naissance, pourquoi on a la chance d'avoir retrouvé ce marbre cipolin qui est si précieux. Comment ça se fait? Comment il s'est formé? Tu m'as expliqué avant donc, qu'il y a quand même des couches qui se sont posées l'une après l'autre. Oui, donc il y a le marbre en tant que tel, c'est une roche sédimentaire, calcaire, qui a subi une transformation. Et pour subir cette transformation, elle doit atteindre une certaine température et certaines conditions. Alors ici, on a le cristallet de Fuy, côté gauche de cette falaise, qui est une roche dure. Et puis on a la couche qui venait d'Afrique du Nord, qui a avancé par quelques millimètres par année, qui a recouvert toute cette partie de roche. Mais elle a pris entre les deux. En glissant, elle a pris la couche de morcle, qui est une couche qui fait grosso modo 15 ou 20 mètres, en tout cas sous l'aspect ici, et qui a été coincée et écrasée par la force de, on dit en termes scientifiques, la surrection, c'est-à-dire elle s'est dressée. Et puis à un moment donné, elle est tombée en sens inverse, c'est pour ça que ça s'appelle la couche de marbre, la couche de la nappe de morcle, et puis que la couche, elle est passée dans les publications sous ce nom-là. Ok. Alors il y a eu premièrement plusieurs blocages. Hein. Okay. La limite de blocage, elle est quasi générale en Europe, c'est-à-dire la crise de, grosso modo, 1930, hein, qui a bloqué toutes les industries. Okay. Et là, tout le monde, ici, c'était exploité depuis environ 1910 par des multinationales françaises, puis successivement belges. Okay. La Merbes Primont, qui est d'ailleurs toujours à Massacarard maintenant, exploiter même cette carrière. C'est devenu une entité dans un grand conglomérat international. Bien sûr. Alors, avec cet aspect des carrières modernes, bien, l'arrêt s'est fait de lui-même. Okay. Et puis, il n'y avait plus l'intérêt économique de garder, disons, cette exploitation parce que c'était plus trop rentable, ça peut être. Alors, ça. Il y a la rentabilité à cause de la hauteur, ça c'est clair, l'altitude. Ouais. Mais il y avait aussi peut-être du transport, non? L'expansion du Mont Saillon était extrêmement liée à l'époque de l'Art Nouveau, il y a 50 ans, grosso modo, où la carrière elle a vivoté de nouveau avec des artisans, etc. Oui, mais etc. plus comme on la connaissait voilà, avant. Voilà, plus comme on la connaissait. Mais à la fermeture, il y a quand même, on a eu quand même la chance accidentale que quelque chose est resté, parce que on le verra après. Il y a encore un souvenir, non, de cette exploitation qui est encore renfermée et on va dire va rester là pour toujours. C'est quoi? Oui, alors ça, c'est justement la dernière exploitation qui nous a laissé deux objets qui sont un peu le symbole de cette exploitation. Le premier, c'est cette installation qui est la gare supérieure d'un téléphérique. Ah, voilà. En 1960, quand l'entreprise Latchon est arrivée, elle a construit de nouveau un funiculaire à contrepoids. Ok. Même chose que le funiculaire. Ok. Et puis, ça a été exploité de 1960, en gros,
jusque vers 1985. Alors, la gare, elle est là, l'installation, elle est là, on peut raconter ce qu'on a ressenti. Moi-même, je suis descendu assis dans la benne avec les cailloux. Et avec un ouvrier italien qui freinait. Et puis à l'intérieur, alors c'est la surprise, il y avait deux camions qui sont restés sur place à la fin. Le premier a été scié, découpé au chalumeau pour amener. D'ailleurs, on a un film de la descente de ce camion. Mais il y en avait un deuxième, et puis le travail n'a pas pu se faire immédiatement. On l'a mis temporairement à l'entrée de la galerie en disant on va revenir au printemps. Mais... Et puis au printemps, il y a eu l'éboulement de cela. Ça veut dire c'est définitif, elle est derrière. Alors ce qui était un non-sens esthétique avant de laisser un camion là pourrir, est devenu maintenant le symbole des carrières de Saillon et une ruine industrielle que tout le monde veut voir. Bien sûr, et moi aussi. Tu m'accompagnes. D'accord. Bernard, on est ici dans la Maison du Marbre. Toi, tu es le président de cette association qui, disons, est encore l'ange gardien par rapport à tout ce grand projet. Plus ou moins, oui. Voilà. Ici, vous témoignez, disons, ce qui a été c'est l'exploitation de cette cave. Tu as envie de me présenter un peu tous ces marbres? Alors, justement, sur cette étagère, ici, on a tout le panel des marbres de Saillon avec les différentes teintes. Ici, nous manque le blanc, mais on va du noir au vert moderne. Et puis après, on part dans les cipolins. OK. Et cipolins antiques, et puis dans les rubanais. Et ce qui a fait la grande épopée des marbres de Saillon qui sont partis un peu partout en Europe et dans le monde, c'est surtout les cipolins antiques et les cipolins rubanais. Et à l'époque, c'était le marbre, un des marbres les plus chers au monde, puisqu'on parlait de le prix entre 600 et 800 francs le mètre cube. Or, un joli granit, c'était 200 francs le mètre cube. Et à niveau, de marbre, si j'ai bien compris, c'est cipolin, parce que ça reprend le nom italien de cipolla, non? Cipolla, oui. Bien sûr, quand on coupe un oignon, on retrouve ce côté rubanais à l'intérieur de l'oignon. Et ici, on retrouve aussi ces motifs. Ces dessins. D'accord. Et par contre, tu étais en train maintenant de m'expliquer que vous avez aussi réussi à trouver des outils, je pense, par rapport aux familles où il y avait des gens qui On a trouvé relativement peu d'outils sur place, parce qu'en fait, un bon marbrier, ça ne perd pas les outils. Alors, on a pu trouver dans des brocantes ou autres. En fait, c'est des outils qui n'ont pas changé. Voilà. Et puis là... C'est quoi, par exemple? C'est le fil hélicoïdal qui a révolutionné un peu cette coupe, la découpe des marbres. Et ce fil hélicoïdal a été introduit en 1895 dans les carrières de marbre de Saillon. C'était une première en Suisse. Okay. Et puis là, on retrouve ce fameux câble du funiculaire. Le câble porteur des funiculaires. Qui garantissait que les marbres pouvaient descendre. Et ça supportait jusqu'à 12 tonnes au et niveau du poids. Et ça, c'est le piolet qu'on a. Le piolet, justement, pour faire la ligne de. Pour la découpe. Voilà. Et puis là, on a des bouchardes et puis des pointes.
c'est en fait un équipement classique des carriers des marbriers. Et celui-ci, je voulais te demander... Ça, c'est une boucharde. Une boucharde, mais pourquoi elle a cette tête comme ça? Alors, pour donner un côté moucheté à la pierre, okay. On retrouve, par exemple, dans certaines sculptures, un peu ce travail à la boucharde. Okay. On verra peut-être par la suite sur une des sculptures, là. Donc, je vois ici... C'est une boucharde. Faite avec deux, une plus fine et oui. l'autre plus grossière. Et on pouvait changer un peu les têtes, je ne sais pas si... Parce que celui-ci, mais certains marteaux, on pouvait changer les têtes. Okay. Affiner ou bien rendre plus grossier le travail. Ton amour, ta passion par rapport au marbre vient du fait qu'avec Henri, vous avez un peu partagé, on va dire, le début de cette histoire. Le début de cette histoire, lui, il a, histoire. Justement, quand il a écrit ce livre sur les carrières de marbre, c'est 4 ans de travail. Et dans cette bibliothèque-là, derrière vous, on voit tout le recueil, c'est tous les documents. Et les livres qui parlent du marbre de Saillon. Voilà. C'est 4 ans de recherche, c'est un boulot, mais fantastique. Et puis, la première édition a été épuisée en très peu de temps. Bien sûr, tout le monde était curieux de connaître l'histoire de Don. Et puis après, il a écrit un deuxième livre, un peu format un peu plus de poche, quelques années après. Donc, ça se fait que toi, tu l'as aidé dès le début pour organiser tout oui, ça. Oui, on était dans la première équipe, on peut dire, des fondateurs. Quoi. Voilà. Et c'est lui qui est toujours maintenant le président d'honneur. Et puis, en bien fait, sûr. C'est la mémoire vivante des. Et la chose intéressante, c'est que, étant donné que toi et tout le groupe suivent toujours Henri, finalement, il y a une suite qui est assurée. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas perdre tout cet héritage. On espère, et on espère intéresser aussi les jeunes. Et... On voit ici au niveau des touristes et autres, il y a un besoin de connaissances au niveau du biotope, de toutes ces histoires de est-ce qu'à l'école, à Saillon, il y a bien une école? Eh bien, justement, ici, on se trouve dans l'ancien bâtiment. Okay. C'est une ancienne salle de classe okay. où pratiquement 2 générations de Saillonnais ont passé ici à l'école. Et moi-même, j'étais pas au premier rang, mais okay. j'étais dans cette salle ici à l'époque. Et c'est un bâtiment ici emblématique. Parce qu'à l'époque, vers les années 70, quand les monuments historiques et la protection des sites sont intéressés au village de Saillon, ils ont fait l'inventaire un peu de tous ces bâtiments. Et puis, ils ont estimé que ce bâtiment, il fallait le détruire. Ah, heureusement pas. Pour mettre en valeur la porte de fuite, la porte du rempart okay. qui est là. Et puis, le conseil communal a été un peu réticent. Et puis, finalement. Ils ont mis de côté le dossier. Et après, il y a eu cette histoire avec Henri qui a fait redécouvrir le marbre de Saillon, puis maintenant c'est un bâtiment historique. Heureusement. Et c'est le seul bâtiment où la maçonnerie extérieure est en marbre de Saillon. Ah voilà. Bien sûr que ce n'est pas les grands palais d'Italie. Bien ou sûr. De, mais quand même, ça témoigne. De Venise, mais quand même. C'est un joli témoin hein, des marbres de Saillon. Et je vais te demander, est-ce que les jeunes aujourd'hui, donc je vais dire ceux qui fréquentent l'école primaire et quoi, ils sont approchés par rapport à cet héritage et à cette valeur que vous avez. Est-ce qu'il y a un programme de, disons, de connaissances aussi pour les gens du Loir? Parce que souvent, on passe aux touristes, mais il faut aussi imaginer que les enfants qui... les nouvelles générations doivent connaître ce patrimoine. Ah, mais bien sûr, parce que, en fait, régulièrement, on a des visites de classe parfait, ici, parfait. Au niveau des écoles, et puis au niveau des instituteurs. On collabore énormément, par exemple, avec un instituteur, Claudie Raymond, qui est un fou du patrimoine. Parfait. Et puis lui, qui nous fait aussi des recherches à travers le monde, si on retrouve de nouveaux sites où on trouve du marbre de Saillon. Ça, c'est magnifique. Compliment. Merci. Alors Pascal, vous m'avez accompagné dans ce monde du marbre, des caves de Saillon. Bien sûr, des témoignages de ce marbre sont restés aussi dans le village. Bien sûr. Ici, on se trouve devant l'église de Saillon, où vous verrez à l'intérieur, on verra l'autel en marbre de Saillon. Il y a l'autel, les tables de communion. Et vous avez mis ici, à l'extérieur, vous avez ici un monument qui était un ancien citoyen de Saillon, qui a été conseiller d'État, c'est une personnalité de la commune de Saillon, et on lui avait monté ce monument en marbre de Saillon,
qui a été complètement retapé il y a quelques années. C'est un monument qui date de 1878. C'est dans les tout premiers marbres qu'on avait pu récupérer à Saillon à l'époque. Voilà. Donc là, vous avez ce monument, vous avez plusieurs colonnes aussi qui sont en marbre de Saillon, qui ornent l'église. Et juste ici à côté, nous avons aussi un petit hôtel qu'on va regarder, que nous avons trouvé dans une forêt. Okay. C'était un petit tabernacle qui avait été complètement abandonné dans une forêt. Une forêt suisse. Une forêt tout près de chez nous, dans le village d'à côté. Okay. C'est un touriste qui a trouvé cette petit tabernacle qui avait été complètement abandonné. Alors, on l'a retapé, on l'a nettoyé et on l'a mis en valeur devant l'église de Saillon. Mais bien sûr. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel au niveau architecture. C'est vraiment, on a des couleurs spéciales, on a vraiment une forme qui est assez extraordinaire. Et aucune idée comment il a fait arriver dans la forêt? Parce que c'est ça que je me demande. Oui, on sait comment c'est arrivé dans la forêt. Parce que ce tabernacle appartenait à l'église d'Écône. Écône, ce sont les amis de Saint-Pédis qui sont à Écône. Okay. Où leur monastère se trouve en face. Et ils avaient deux tabernacles des mêmes. Donc, un, ils l'ont laissé dans l'église. D'accord. Et le deuxième, ils l'ont mis dans la forêt pour faire un petit chemin pour méditer. Et au bout de quelques années, ce chemin, il a été abandonné. D'accord. Et ce tabernacle est resté dans la forêt. Okay. Et il était plein de buissons, il était sale. Et un ami nous l'a retrouvé. On a été demandé à nos voisins d'Écône si on pouvait le récupérer. Bien ils sûr. Nous l'ont donné. On l'a nettoyé et puis on l'a posé là. Magnifique. Donc, pour nous, c'est vraiment une pièce d'exception qui a été sculptée à l'époque et qui était tout près de chez nous. Et voilà, donc qui est retourné à la point de départ, exactement. Alors maintenant, on arrive à l'intérieur de l'église où nous avons l'autel qui se trouve en face, qui est éclairé. Ça, voilà, c'est un marbre cipolin. On voit bien cette forme veinée, ce marbre vert et bleu. Écrit qui a été posé là pour faire l'autel de l'église de Saillon. On a le tabernacle aussi, qui se trouve aussi là-dessus, et ce marbre, il a été ouvert comme un livre. Donc on avait vraiment trouvé la veine extraordinaire où on avait pu ouvrir et puis faire une forme géométrique avec ce marbre. On a l'autel qui est derrière, qui est très impressionnant, et on a aussi l'autel devant ici, avec les deux autels latérales. Et ça, à l'époque, c'était les tables de communion. Ah, d'accord. Avant, c'était tout le long ici, il y avait juste un petit passage au milieu et les tables de communion. Et avec les années, on a modifié l'église, on a gardé cet autel et une partie des tables de communion, on a fait l'autel principal actuellement et les tables sont restées à côté. Et là, c'est vraiment le marbre très caractéristique de Saillon, où on a ce veiné vert et blanc, et on a dessous le grand antique, où on a ces grandes veines comme des grandes vagues. Et voilà un petit peu, là on voit très bien aussi, c'est cipolin, ou comme on dit tout à l'heure, c'est comme l'oignon coupé, là. C'est comme, d'où vient ce nom cipolin. Ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment le dessin géométrique qu'ils ont réussi à faire, parce qu'en le coupant, en le mettant de cette façon, c'est vrai que ça crée des géométries qui ne sont pas naturelles, mais qui font vraiment comprendre combien ce marbre donne, disons, des beautés, simplement en le plaçant au bon endroit. Voilà. Et ça, c'est la qualité du scieur qui a fait ça. C'est la maison Vicarini de Scieur. Et, voilà, c'est comme tous les marbriers, les grands marbriers, c'est des Italiens qui sont venus travailler chez nous. Ils ont travaillé le marbre et là, ils ont réussi à exploiter au maximum la veine qu'on avait. C'est vrai que c'est assez sympathique de pouvoir organiser une chose comme ça. Ouais. Il y a beaucoup d'églises en Valais où il y a du marbre de Saillon et qui ne sont pas du tout configurées comme ça. Et là, je pense qu'ils ont réussi à trouver la veine extraordinaire. Très beau, merci. Merci. Santé. Merci pour la visite. Merci à vous de l'accueil, voilà. Vraiment. Merci. Parce qu'on avait beaucoup de vignobles, on se disait, mais ils font du vin ou pas? Donc là, finalement, je me dis oui. Oui, alors ici, il y a pas mal de caves indépendantes en Valais.
Il y a des coopératives et il y a des caves indépendantes. Il y a de tout. Ici, à Saillon, on est la seule cave dans le vieux bourg de Saillon, wow. Voilà, dans le village. Ouais. Et toi, Jonathan, donc tu es, disons, la dernière génération d'une famille de viticulteurs. Oui, la troisième. La troisième. Ouais. Vous exploitez combien de... Alors, ici, à Saillon, on exploite 4 hectares et demi de vignes. C'est 45 000 mètres de vignes. Et étant donné la morphologie du terroir, j'ai vu que c'est hyper dur, donc ça va dire, on peut dire que c'est de la viticulture héroïque que vous faites, parce que réussir dans ces pentes à faire de l'agriculture, c'est vraiment un travail de fou, mais qui donne un résultat excellent, vraiment, parce que le soleil arrive à chauffer les grains et à amener cette qualité. C'est vrai, on est des alpinistes. Voilà, c'est ça. Après, je trouve que la viticulture a pas mal évolué, parce qu'avant, il y avait essentiellement du gobelet, c'était un cep, un échalas, c'était planté très serré, donc des densités de plantation qui étaient très, très élevées. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, on part quand même dans une viticulture qui est un petit peu plus espacée, on arrive quand même à accéder dans les parcelles un peu plus facilement, quoi. We'll be right back.